première chacrie, je vous ai découvert dans le film « Les amours imaginaires 2009 » de Xavier Dolan. Par la suite, il y a eu Laurence Anyways. C'est vrai que c'est spécial. Une belle période pour vous. Une période importante. Ça représente pour moi... c'est comme si je sortais de l'eau, en fait. J'avais l'impression qu'avant de rencontrer Xavier, j'étais sous l'eau. Que je savais pas... C'est comme si j'ai rencontré ma famille en rencontrant Xavier. Ma famille artistique, j'entends. Et ça a été une carte de visite, en quelque sorte, non? Oui, ouais, complètement. Non seulement les amours imaginaires, faut savoir... puis en m'excluant là, du fait que je suis dans le film, en France particulièrement, c'est vraiment un film culte. Là. C'est vraiment... c'est de l'ordre de... Ferris Bueller, Day Off, là, tu sais, c'est comme les jeunes entre, je sais pas, même ceux qui sont plus jeunes aujourd'hui, mais entre 16 et 30 ans, là, ils ont vu Les Amours imaginaires. C'est vraiment un... Ils disent les répliques, il y a des... Tu sais, constamment, Xavier et moi, on s'en va, puis sur Instagram, il y a des gens qui font des dessins des amours imaginaires, de nos personnages. 35 ans, c'est la date de péremption pour une actrice. Vous jouez dans une toute nouvelle comédie intitulée Emma Peters. Vous incarnez une jeune femme de 35 ans qui a, en fait, votre âge dans la vraie vie. Et elle dit qu'il y a une date de péremption pour une comédienne, qu'après 35 ans, c'est plus difficile dans le métier. Est-ce que c'est votre avis aussi, Monia Chauffier? Mais on sait jamais quand tu joues et quand tu joues pas, c'est... C'est vrai que si on n'a pas comme acteur... disons, à moins d'exception, là, si on n'a pas comme acteur eu des rôles déjà dans la vingtaine, commencer à avoir des rôles vers la mi-trentaine, quarantaine, c'est assez complexe. Parce que souvent, ce que vont faire les cinéastes, c'est prendre des acteurs déjà confirmés. Donc, c'est ce que raconte Emma Peters, en fait, c'est qu'elle sent qu'elle est au moment où, de toute façon, elle va devoir abandonner cette carrière-là. J'ai décidé d'en finir. En finir avec quoi? J'ai gâché les 10 dernières années de ma vie, alors voilà, j'arrête. Tu veux plus faire actrice? Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une espèce de creux peut-être chez les actrices vers 55 ans, jusqu'au moment où elles deviennent des grands-mères. C'est comme s'il y avait une période que, pardon my French, je dirais Tina Fey, là je vais dire un très gros mot à la télévision, mais c'est the unfuckable. C'est-à-dire c'est le moment où le désir n'est plus palpable chez l'actrice. On n'a plus de désir chez cette femme, parce qu'elle ne représente plus la fertilité. C'est ça l'enjeu, en fait, des actrices, c'est le rapport au désir. Donc, je pense que le grand défi, aujourd'hui, j'espère, si moi j'ai une fille, je vais l'élever comme ça, et j'espère que les petites filles seront élevées comme ça, que c'est pas grave de déplaire. C'est pas grave, puis on n'est pas obligé, on n'est pas là, né sur cette terre pour plaire. On est là pour... Puis je pense que les hommes ont vraiment moins de problèmes avec ça. Moi, j'ai beaucoup plus d'amis hommes qui me disent « Ah, oh, moi, ça me dérange pas ce que les autres pensent de moi. » Beaucoup moins de filles. Vous semblez vouloir prendre le chemin de la réalisation. 2019 sera une grosse année pour vous. L'année de la sortie de votre premier long-métrage, oui. « La femme de mon frère ». Un brin nerveuse quand vous vous sentez par rapport à tout ça? Là. Je me sens à la fois excessivement fébrile à l'idée que les gens... Tu sais, ça fait 5 ans que moi, je porte le projet, donc ça, c'est long là, de vivre avec ça, avec ces névroses. Mais je suis très fébrile, puis en même temps, j'ai peur de la réaction des gens. Explication? Je connais personne dans notre métier qui n'est pas un peu tourmenté ou qui n'a pas une forme d'anxiété. Là, je pense que ça vient un peu avec notre métier. Après ça, je pense que les rôles peuvent servir de catalyseur à une certaine anxiété. Même si je ne suis pas une grande fan de Freud, il disait quand même des choses pas pires. Puis il y en a une, c'était sur la créativité, puis il disait que les artistes qui arrêtaient de créer pouvaient sombrer dans des fortes dépressions. Mais je pense sincèrement que ça peut sauver les artistes de certaines mélancolies. Monia Chakri, je vous souhaite de la créativité. Merci beaucoup. Merci.